Les alphans partent encore expéditionnaires dans les profondes cavernes de leur base lunaire. À travers les noirs tunnels, quels mystères dévoileront-ils? Ils rapporteront de l'or et des diamants ou des monstres hostiles. Ah. Oh non, on est venu chercher des cristaux de cérusite, ça me suffira. Il doit y en avoir dans le coin. On pose le matériel et au boulot. Ça n'a pas l'air d'être de la cérusite, ça. Découpe-le pour voir. Élargis un peu le faisceau. Attention, coupe la lumière. C'est incroyable, ce sont des momies. Vous avez vu ? C'est impossible. Oh. Tu crois qu'on rêve ou... Monsieur Carter! Monsieur Carter! Place-toi de l'autre côté, là-bas. Bon, eh bien, ce n'était pas si grave, alors. Vous avez bien failli nous faire peur. Allez, debout. Est-ce que ça pourrait être une espèce de laboratoire qui suspendrait les fonctions vitales pendant... La température de l'habitacle est de 400 degrés. Oui, alors ce n'est pas cela. C'est trop pour le niveau de température de ce genre de laboratoire, voyez-vous. Y a-t-il des signes de vie? Non, je ne vois rien. Aucun signe de vie sous aucune forme. Pas d'activité cérébrale ni de battement de cœur. C'est impossible. On l'a vu ouvrir les yeux, je vous dis. Je ne suis pas fou. Désolé, Allen, vous avez dû vous tromper. Mais si on suppose que, et on l'a prouvé, la Lune a été inhabitée par le passé, pourrait-il s'agir d'une sépulture d'une époque encore plus ancienne? Ce n'est pas une tombe toute simple, au contraire. Elle est quand même ceinturée par un champ de force puissant. Je me demande bien de qui il voulait se protéger. Je me trompe peut-être, mais regardez ce sigle. Sur la planète Chrome, les gens disaient que ça représentait le danger. Ils l'appelaient le feu de la mort. Vous ne vous en rappelez pas? Oui, c'est vrai. Il avait été utilisé par une sorte d'être immortel pour avertir son peuple qu'il pourrait s'exposer à de très graves périls là où il le voyait. Oui. Elena, l'appareil vient de signaler un battement de cœur. Ah oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a une variation du volume d'air dans les poumons depuis que vous contrôlez? Une augmentation de 2,9 millilitres en exactement 7 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vit. Tony, regardez le mur de ce côté-ci. C'est probablement leur source d'énergie. Et ça veut dire que ce panneau serait le contrôle du champ de force. Eh oui. On peut couper le contrôle, alors. Si je savais comment ça fonctionne, Maya le saurait certainement, elle. C'est dommage. Oh, c'est dommage, oui. Mais je crois qu'on ne peut pas attendre deux jours que John et elle soient revenus de leur mission spéciale de surveillance. Attention, c'est en train de s'écrouler là-haut. Par ici, Elena. Restez pas là. Tout le monde vers la sortie, allez. On va être retiré. Oui, Johnson. Mais attendez, on ne peut pas les laisser comme ça. Elena. Mais on ne peut pas les laisser comme ça. Allez, Elena, venez. Elena, mourir. Tony.
Il faudrait qu'on arrive... Allez, non, Anthony! Il y a encore l'enfant! Dépêche-toi! Tiens, là, il sera à l'abri! On est de justesse, hein? Pulsation et battement de cœur se lisent comme tels selon les normes à moins 0,2. Ça va, le petit garçon, maintenant. Etrek. Etrek. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez. Ne craignez rien, ça ira. Etrek. Je viens d'avoir une pulsation. Bien, passez-moi l'oxygène. Battement de cœur. Le cerveau vient de réagir. Je vous lis les niveaux. Je vous écoute. Activité cérébrale, 9, 9, 3, et en augmentant. Cœur, 44. 45, 46. Ça augmente aussi progressivement. Il est sauvé? Il est revenu de loin, hein? Base lunaire Alpha. Docteur Elena Russell, au rapport. Il y a 643 jours que nous avons quitté l'orbite terrestre. Un incident est survenu lors de l'exploration d'une caverne que nous avons découverte. Supplément d'ordre médical. Les deux sujets se reposent toujours. Ils ne sont plus sous le contrôle du stimulateur cardiaque. Bien que la surveillance de toutes leurs fonctions physiques soit néanmoins maintenue, nous avons pu constater lors des analyses préliminaires que leur structure cellulaire et leur métabolisme étaient conformes aux normes humaines à 91%. Nous poursuivons les recherches de manière à en arriver à une conclusion. Il y a quelques instants, nous avons communiqué avec le commandant Koenig. Il a été dûment informé de la présente situation. Comment vont nos mystérieux malades? Ils sont toujours endormis. Sous l'influence du sédatif? Oui. Je continue à envoyer le somnol. Les relevés sont parfaitement constants. Bon, on peut retirer le somnol. J'aimerais programmer les résultats sur l'ordinateur pour avoir une analyse détaillée. D'accord, la somnol va encore faire effet pendant au moins 2 heures. Appelez-moi quand vous aurez du nouveau. Il faut leur demander tout de suite, Pasque. Nous sommes chez des étrangers. Ces gens sont nos ennemis, crois-moi. Non, Pasque. Tu te trompes. Ils peuvent nous aider. Tu dois leur demander. Non, aucun être ne peut m'aider. Toi non plus, bientôt, tu ne seras plus aidé, mon fils. Tu as le temps. Maîtrise-le. Je t'en prie, dis-lui non. Je n'y arriverai jamais. Tu le peux, je le sais. Comment? Tue-moi. Je ne peux pas le faire. Pourquoi hésites-tu? Tu as tué Locke et Kevac. Alors, écoute. J'ai besoin de toi, mais un jour, c'est toi qui auras besoin de moi. A déjà eu le rapport? Oui, on le lui a communiqué, on attend la réponse. On a une possibilité de contact dans 2 minutes. Oh,
Ah oui, ça commence à venir, on dirait. Aigle Noir, j'appelle Aigle Noir. Aigle Noir à base lunaire alpha, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois mal, commandant. L'image se brouille de temps en temps. C'est parce que nous nous approchons d'un orage de météorites. On ferait mieux de se dépêcher, on peut être coupé d'un instant à l'autre. D'accord, on se règle trois avec une équipe sur la plateforme de décollage au cas où vous appelleriez. Espérons qu'on arrivera à s'en passer. Elena, est-ce qu'il y a du nouveau concernant le rapport sur les étrangers? Ils sont toujours sous sédatifs. Je n'ai pas pu terminer le rapport concernant les analyses, mais je peux déjà affirmer que leur métabolisme est pratiquement conforme aux normes humaines. Tony? Origine inconnue, pas d'identification. Nous procéderons à l'interrogatoire quand nous serons en mesure de le faire. Jusqu'à ce que vous en sachiez plus long, ne prenez aucun risque. Entendu. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Hey, c'est le copain. Ça va mieux, on dirait, hein? Le copain? Oui. Si je t'appelle comme ça, c'est que je t'aime bien. Est-ce que tu comprends ça? Notre organisme élimine n'importe quel sédatif plus rapidement qu'en 2 heures. Que vous êtes-vous fait? Une égratignure. Je n'avais pas encore retrouvé tout mon équilibre lorsque je me suis levé tout à l'heure. C'est pourquoi ma tête a heurté un mur et... Non, s'il vous plaît. Je ne peux vous laisser faire. Le sang d'un homme a depuis toujours une profonde signification spirituelle sur Arcanon. 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 Mais c'est la planète de la paix. C'est exact. Nous sommes des Arcaniens, messagers de paix. On me nomme Pasque. Et voici Etrek, mon fils. Et vous, vous êtes notre commandant, Koenig. Il existe des légendes sur l'arrivée des messagers de la paix. C'est la grande victoire du bien sur le mal, je crois. On les a perdus. Laissez la communication ouverte. On les captera à nouveau quand il y aura une accalmie. La victoire du bien sur le mal, vous avez entendu? La violence faisait rage sur notre Arcanon, et c'est pourquoi nous avons substitué le bien au mal chez nous, imposé cette loi à notre peuple. Nous avons envoyé nos émissaires à travers l'univers afin que les autres peuples sachent que cela pouvait être fait. Quant à moi, je commandais l'une de ces missions. Si je me réfère au peuple que nous avons pu rencontrer, vous ne semblez pas avoir eu beaucoup de succès. Le temps seul compte. Grâce au temps, nous pourrons avertir toute l'humanité. Néanmoins, notre échec ne survint pas tout de suite sur votre système solaire. Non, nous avons énormément voyagé avant de rencontrer la faillite. Ma mission a échoué sur votre ancienne planète. Sur la Terre. Nous avions établi une base ici, tout près de la vôtre. Et observions la Terre. Nous vîmes alors tant de violence et de haine que... Ma femme, effrayée, me supplia d'abandonner pour toujours cet astre maudit à son destin. Je ne fis pas, hélas, ce qu'elle me demandait. Je voulais descendre. J'entraînais tous ceux qui étaient sous mes ordres, et comme des médecins allant soigner des pestiférés, nous nous crûmes immunisés. Nous ne l'étions pas. Seuls, Etrek et moi échappèrent par miracle à la contagion. Et sur notre base lunaire, lorsque nous revînmes... Ce fut pour constater que tous les nôtres s'étaient mutinés. Ils nous maîtrisèrent, mon fils et moi, et nous placèrent en état de stase totale à l'endroit où vous nous avez trouvés. Et ils s'enfuirent, allant léguer leur démence, votre démence, dans les endroits les plus retirés au peuple de l'univers. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont épargné? Ils auraient pu vous tuer? Non, ils ne le pouvaient pas. Est-ce que les Arcaniens seraient immortels? Les Arcaniens ont hérité d'une grande vertu. Même dans leur démence, ils sont incapables de tuer. Retirer la vie sous quelque forme qu'elle soit est une aberration. Cela leur est impossible. Ils l'aiment trop. Alors dites-nous comment ils ont pu condamner un homme et son fils à pourrir pour l'éternité, à devenir des statues de chair, des morts vivants. Et votre femme? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Elle a décidé de suivre les mutins. C'est elle qui a ordonné qu'on nous mette où nous étions. Etrek, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, ça va, ce n'est rien du tout. Ça doit être le somnol. Emmenez-le au centre médical. D'accord, je le prends. Doucement. Tu le tiens? Oui. Hop, en route. Allez, allez. Quelle petite...
peut-être le peuple qui ferait cela des hommes de sa race. Quelle mère pourrait faire cela à son enfant? Vous avez trouvé? Du côté organique, aucun problème. Mais il y a quelque chose de curieux dans sa structure physique. Il faut que je fasse encore quelques analyses. Hé! Hey. Salut, le copain. Tu es réveillé? J'ai faim. Vous avez entendu ça, docteur? C'est normal qu'il s'évanouisse, ce grand garçon-là. Il n'a pas mangé depuis une centaine d'années. Ouvre tes deux oreilles. Je connais un petit endroit à côté d'ici où tu trouveras des hamburgers assez merveilleux. On peut y aller, docteur? Hamburger? Comme on n'a pas énormément d'animaux par ici, c'est surtout du soya. Mais on dirait que c'est vraiment de la viande. Votre avis, docteur? Je suis d'accord. Mais ne lui en donnez pas trop à la fois. Comme vous venez de le dire, il n'a pas mangé depuis une centaine d'années. Au moins, oui. Allez, en route. Tu ne veux pas rester ici? Non, non, ça va aller. Bon, ne t'inquiète pas, je te tiens. Eh bien, dis donc, je crois que je ferais mieux de te porter, non? Je préfère marcher parce que... Oh, si, porte-moi! C'est pas ce que tu veux, toi! Hop! Oh, ce qu'il est lourd! Mais on va manger quelque chose. Vous venez avec nous? Ah bon? Eh bien, tout à l'heure. Allez, le copain, j'ai faim, moi aussi. Ah oui, c'est bien un virus. Non, il n'y a pas de doute, en effet. Regardez toutes ces tentacules. Ça pourrait donc indiquer que cette sorte de virus est à l'état de larve vivante dans l'expectoration de plasme. Eh oui. Et chez Trek, voyons comment ça se présente. Oh, c'est très curieux. Ce sont exactement les mêmes caractéristiques, exception en fait des tentacules. Il serait mort? Oh, il est peut-être seulement endormi. On va vérifier ça tout de suite. Allez, essaie de bloquer cette passe. Hé! À toi, attention! Ça commence à venir. T'es drôlement doué, tu sais. Je l'envoie avec le pied maintenant et tu l'attrapes, hein? Reste où tu es. Monsieur Carter! Non, non, Johnson, ce n'est pas le moment, je vais tirer. Pousse-toi donc de là, mais pousse-toi de là. Bon, tu l'attrapes d'un seul coup, sans la laisser tomber, hein? Compris. Tu es prêt? Le plus beau tir que t'as jamais vu. C'était fantastique. Bon, écoute-moi, c'est le grand jeu maintenant. Méfie-toi, hein? Tu fonces sur moi comme un bodide, sur la ligne d'ouverture qui est derrière. Et moi, je vais t'empêcher de passer. Tu fonces, mais toujours en souplesse. Il faut éviter de te faire plaquer, hein? Bon, tu es prêt? Cours! Allez, regarde où tu vas! Attention, je vais te plaquer! Eh ben, dis donc, t'es un champion. Mon grand-père aurait été fier de toi, tu sais. Excusez-moi. T'arrives bien, dis donc. Tu constates qu'on s'ennuie pas? T'as vu comment il faut faire? C'est un vrai ballon de football. Ah oui, un vrai ballon de football. Et attention, du vrai football. L'Australie bat la Grande-Bretagne 69 à 22. Swindon 63. Vous voulez rire? Tiens, c'est la signature de Harrison. Comment est-ce que vous avez eu ça? Son grand-père jouait dans l'équipe de Harrison à cette époque-là. Et un jour, il lui a donné ce ballon parce qu'ils étaient bons. Si tu rajoutes une syllabe au début du mot, ça fera copain, tu auras gagné. Tout ça, c'est très gentil, mais il faut qu'on se prépare pour le match. Non, monsieur Verdecci m'a demandé de vous dire qu'on a fini par réunir tout ce qui était dans la caverne. L'unité génératrice et l'appareil pour la stase? Oui, l'unité, pas de problème, ça fonctionne, mais l'autre appareil a l'air d'avoir été touché. Ils l'ont descendu au laboratoire et ils vous attendent. Parfait, j'y vais. Et Drake, on continue? Je le passe. Attention, à toi. Et à toi. En douceur. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout. On ne sait même pas comment l'ouvrir. Oh, et Trek, ton père arrive tout de suite. Oh. Bon, eh bien, en attendant, le grand expert va y jeter un coup d'œil. C'est toi l'expert? Non, c'est lui. Oh, mais je n'y connais rien. Il fonctionnait bien, c'est tout ce que je sais. Je suis spécialisée dans l'analyse des particules, en réalité. Bien, s'il nous arrive, comme de temps à autre, de tomber sur un problème de particules, on t'en reparlera, d'accord? Passe-toi le savoir, lui, puisqu'il était le commandant. C'est partout au monde la même chose. Aux yeux d'un fils, le père est une intarissable source de connaissances. En ce cas, comme dans bien d'autres, la confiance est souvent bien mal placée. Mais tu l'as déjà fait fonctionner. Le rôle du commandant dans ce genre d'expédition est de coordonner les opérations. Lorsque cela s'avérait nécessaire, j'avais recours à mes spécialistes pour régler le problème. Très bien. Et comment l'ouvre-t-on? Ne me dites pas que vous ignorez aussi la façon de l'ouvrir. Thank you.
maintenant, je sais ce que c'est. C'est un émetteur-récepteur. Oui, nous nous en servions sur la planète pour localiser les différentes unités. Toutes les équipes en avaient un. Oui, nous en avons aussi. Ils sont très différents. Quelle est la portée des vôtres? Ils peuvent avoir celle que l'on désire. Ah, oui. Oui, Lena. Tony, j'aimerais trouver Pask et Trek. Sont-ils près de vous? Oui. Je les attends au centre médical tout de suite. Ça peut attendre quelques minutes? Non, tout de suite, s'il vous plaît, c'est important. Eh bien, si le médecin dit que c'est important, il vaut mieux y aller. Oui, 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 bon, d'accord, oui, mais pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviendrai tout à l'heure et nous verrons cela. Viens, les Trek. Mais ce n'est pas par là. Nous n'allons pas voir le médecin, nous nous en allons, tu comprends? Mais Pask! L'émetteur-récepteur est branché sur la fréquence d'Arcanon. Et sur Arcanon, ils savent déjà que nous sommes libres. Ils vont venir nous chercher. Ah oui, mais nous ne serons plus là. Viens. Mais où est-ce que nous allons? Bon, il ne te reste plus qu'à embarquer dans l'aigle et à attendre. Tu restes sur la plateforme et tu ne tiens pas à décoller. Dès que tu entends un appel du commandant, tu fonces. Bonne chance. On va prendre l'aigle à sa place. Mais ils devaient aller au secours de leur commandant. Qu'est-ce qu'il fera s'il en a besoin? Nous aussi, on en a besoin. Qui est-ce qui vient à notre secours à nous? Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut que nous arrivions à trouver quelque part un endroit où nous ferons ce que nous voulons. Et quand il ne restera plus personne à tuer, que feras-tu? Il restera toujours quelqu'un à tuer, fils, je te le dis. Regardez, c'est flagrant. Les ondes émises par le cerveau de Pask ont une phase très amplifiée. Et elles ne correspondent pas du tout avec celles des Trek. Vous croyez qu'il pourrait y avoir une relation avec le virus? Active chez Pask et passive chez le garçon? Ce que je crois, c'est qu'il faut avant toute chose leur prélever du sang. Puis on pourra peut-être fabriquer un sérum. Oui, Lena. Est-ce que Trek et Pask sont toujours près de vous? Ah non, ils sont partis vous voir dès que vous l'avez demandé. Ils ne sont pas arrivés? Non. Bon, je vois quelqu'un à leur recherche. Merci. Aigle noir à base lunaire Alpha, répondez Alpha. Vous arrivez à les rejoindre? Oui, mais ce n'est pas excellent. Aigle noir, vous nous recevez? Oui, j'écoute. Quelle est votre position? Référence orbitale 369. Et très inconfortable. Et voulez-vous qu'on vous envoie Aigle 3? Il peut vous avoir rejoint dans 18 heures. Bonne idée. La Carlingue a reçu de sérieux chocs de météorites. Et pour vous, ce n'est pas trop grave? Et Maya? On a quelques contusions et l'estomac un peu retourné, mais... Oui, que voulez-vous, Alan? Eh bien, je suis au laboratoire avec Johnson et on pense qu'il peut y avoir un dispositif d'enregistrement audiovisuel sur l'appareil. Et si vous êtes toujours en contact avec Aigle Noir, on aimerait avoir l'opinion de Maya. On les a perdus il y a quelques secondes. On vous branche dès qu'on les reçoit à nouveau. D'accord, merci. Je vous cherchais partout. Le docteur Russell aimerait vous voir tous les deux au centre médical. Ah bon, eh bien, nous y rendions justement. Eh bien, vous vous êtes trompé de côté. Oh, il n'y a pas longtemps que nous sommes ici, excusez-nous. Allez, venez. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un dispositif d'écoute? Je ne vois rien. Ça peut être aussi bien un stylo électronique ou une baguette magique. Ce qui m'intrigue, c'est ça surtout. Regarde ce petit panneau. Est-ce qu'on ne dirait pas que c'est un écran? Ah oui, c'est tout ce qu'on veut. C'est trop compliqué, je démissionne. Ouais, t'as pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. Arrivé dans petite planète du système solaire dans le secteur 2FEV33K. D'après nos calculs, elle détiendrait une forme de vie assez primitive. Ah, ça y est, vous l'avez eu, Monsieur Carter. Elle sert de repère.
Oh, attendez une seconde. Je pense qu'on a trouvé le système, Basque. Venez voir. Le docteur Russell voudrait les voir. Oui, oui, on les lui envoie tout de suite, Carson. Merci. Bon, je retourne au centre. Mais qu'y a-t-il? Eh bien, voilà, on l'insère ici et le petit oiseau va sortir. Ah! Le laboratoire vient de lancer un appel d'urgence. Sécurité à vous. Basque! Non, Basque! Basque! Lâche-le! Ne le tue pas! Non! Oh non, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de le tuer. Pourquoi as-tu tué cet homme? Il était mon ami, il m'avait sauvé la vie! Nous n'avons pas d'amis, dépêche-toi. Alan, qu'est-ce qui est arrivé? Basque. Il faut retrouver Basque. J'appelle centre médical. Oui? Nous avons eu un accident au laboratoire. On vous attend. Faites vite. Nature de l'accident? Ce n'est pas un accident. Basque a attaqué Alan et Johnson. Blessure grave à la tête. Attention, sécurité. Retrouvez immédiatement Basque. Il est dangereux et peut-être armé. On ne sera pas trop, je crois. Pierce, venez avec nous. Vous, vous restez avec Johnson. Restez où vous êtes. Oh, tu n'es pas mort. Et Craig, je t'ordonne de venir près de moi. Relâchez le petit, sinon je vous préviens que je tue cette femme. Relâchez le docteur Russell, sinon je n'hésite pas à le tuer. Très bien, allez-y. Tuez-le donc pour voir. Vous n'êtes pas un meurtrier, vous ne le ferez jamais. Tandis que moi, je le peux si je le veux. Je croyais que les Arcaniens se vantaient d'être pacifiques. Cette marque qu'il a sur le front, c'est le signe de la folie meurtrière. C'est pour cela que vous aviez mis ce bandage. C'était pour la cacher. Maintenant, je vous conseille de m'écouter. Vous allez nous laisser Aigle 3. Ordonnez à vos hommes de ne pas intervenir. Ceci concerne la sécurité. Dégagez tous les couloirs d'accès à Aigle 3. Etrek. Etrek. Viens ici, dépêche-toi. Très bien, tu vas nous précéder. Non, Basque. Je ne veux pas te suivre. Ils te tueront si tu restes. Tu n'as pas d'autre choix. Ils ne connaissent pas le meurtre. Aujourd'hui, peut-être pas. Mais toi, tu seras un jour un meurtrier. Et ils devront te tuer pour se protéger. Eh bien, ils feront ce qu'ils doivent faire. Je choisis de rester. Etrek, obéis tout de suite. Viens avec moi, ou bien c'est moi qui t'achève. À tous les hommes de la sécurité. État d'alerte générale. Basque détient le docteur Russell en otage. Tout contact devra être établi avec la plus grande prudence. La vie du docteur Russell doit être considérée comme l'élément prioritaire. Attention, section pilote. Aigle 1 en survol circulaire de la zone de décollage. Aucun autre vaisseau ne doit quitter la base. Tous les hommes de la sécurité en combinaison spéciale prêts à toute éventualité. Tireur d'élite équipé de rayons anesthésiants. Où est Etrek? Je l'ai conduit au centre récréatif. Bien. Asseyez-vous. Aire de décollage hors service. Mission enrayée.
Cet ordre ne peut être contremandé sans une nouvelle codification émanant du centre de contrôle. Entrez en communication avec le centre. Non, je regrette. Demandez-leur de faire en sorte que l'ordinateur débloque le contrôle. Sinon, je vous tue, docteur. Vous ne tirerez pas. Vous n'avez pas tiré sur Etrek. Si je l'avais voulu, j'aurais pu. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, alors? Il a choisi de rester. Et j'ai choisi de vivre. Vous ne pourrez pas vivre longtemps, ni vous, ni votre fils, croyez-moi. Vous êtes porteur d'un virus filtrant curieux, d'un germe qui n'est encore qu'à l'état léthargique chez votre fils. Mais chez vous, Pasque, il est en éveil. Il peut être mortel. C'est pour ça que je voulais examiner un échantillon de votre sang. Je voulais vous aider, vous comprenez? Je peux me passer de votre aide. Alan, il faut absolument monter à bord du vaisseau sans que Pasque s'en aperçoive. Peut-être par la cabine ventrale. La perceuse ferait trop de bruit. On peut utiliser de l'acide? Oui, mais l'acide le plus efficace que nous ayons mettrait 3 heures à percer la carlingue de l'aigle. Bon, eh bien, il faut passer par les propulseurs, ça c'est évident. Dans la chambre des moteurs, les panneaux sont plus minces. Ouais. Verdeschi, vous envoyez Trek et je vous rends votre médecin. Je veux également que l'ordinateur reçoive un nouveau code. Et Trek a choisi librement de rester ici. Je vous conseille de me l'envoyer. Sinon, je tue le docteur Russell. Elena, vous tenez le coup? Prévenez Raoul, dites-lui que... Poste 5, j'écoute. Pasque est dans l'aigle, il vient d'appeler. Il veut que nous fassions un marché. On échangerait Elena contre le garçon. Vous pouvez lui faire confiance? Je suis obligé. Sur le contraire, il va tirer, il n'hésitera pas. Mais Elena a voulu nous envoyer un message. Elle a dit, prévenez Raoul, dites-lui que... Et là, Pasque a tout coupé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a découvert un virus. On voulait des échantillons de sang pour l'analyser. Pasque a peut-être dit à Elena quelque chose de particulier. Je vous tiens au courant. Merci, Raoul. Et Trek a confiance en vous. Il faut aller lui parler. Il ne voudra jamais suivre Pasque. Vous l'avez entendu? Je l'ai entendu, bien sûr, mais j'ai entendu ce que Pasque a dit aussi. Je crains que cette fois, il tienne sa parole. Et qu'est-ce que vous voulez en premier? Le garçon ou bien son sang? Les deux en même temps. Elles vont y prendre goût. Oh, ce n'est pas grave, elles reviendront bien quand elles auront faim tout à l'heure. C'est idiot, mais nous sommes devant un gros problème. Pasque tuera le docteur Russell si tu refuses de l'accompagner. Il tuera de toute façon. Nous sommes tous comme lui. Nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons pas nous empêcher de tuer. C'est une maladie. Écoute-moi. Le docteur a voulu nous dire quelque chose, mais Pasque l'a coupé tout de suite. Alors Raoul croit que le docteur Russell voulait avoir un peu de son sang pour l'analyser. Elle en a besoin pour essayer de vous guérir. Les Arcaniens ne peuvent pas donner leur sang. Tu sais très bien que je n'y connais rien. C'est une chose que je laisse volontiers aux médecins. Mais ça peut peut-être vous sauver la vie à tous les deux. Ce qu'ils veulent, c'est seulement un peu de sang. Est-ce que tu es sourd? Je t'ai dit qu'on ne peut pas donner de sang. Arcanon, on prend le sang des autres! Est-ce que tu pourrais me tuer? Tu es fou, qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai voulu enlever la marque que j'avais sur le front. Tu voulais le sang d'un Arcanien, n'est-ce pas? Prends-le, je te le donne. Tout
Toujours aucune nouvelle d'Aigle Noir? Non, aucune. Bon, rappelez. J'ai une émission sur P2. Aigle Noir? Étranger. Base lunaire Alpha. Base lunaire Alpha, est-ce que vous me recevez? Base lunaire Alpha. J'appelle base lunaire Alpha. Base lunaire Alpha. Base lunaire Alpha, répondez s'il vous plaît. Ici base lunaire Alpha. Qui êtes-vous? Nous demandons la permission de nous poser. Je vous demande de vous identifier. Donnez-la-moi sur l'écran. Nous sommes la planète Arcanon. C'est pour votre sécurité que je suis venue. Deux Arcaniens ont mis fin à leur réclusion et peuvent représenter un grave danger pour vous. Nous désirons la permission d'atterrir. Vous l'avez. Oui, Alan? Bon, on a le sang du petit. Et également autre chose qui doit t'intéresser. Ne bouge pas, j'arrive. Etrek l'a fait fonctionner. Et tu vas connaître toute l'histoire. C'est Lyra, la mère d'Etrek. 228293. Cela s'est produit hier. Ce que tous les Arcaniens redoutaient est arrivé de nouveau. Le terrible fléau que nous avions cru à tout jamais banni de nos gènes est revenu, hélas. Pasque est de nouveau un assassin. Il faut dire à Pasque que nous savons tout. Oui, mais fais vite. Je crois qu'Elena ne serait pas trop ici. J'y vais. Pasque. Ils finissent par se décider. Ils ont enfin retrouvé leurs esprits. Vous avez Trek? Oui, nous l'avons. Alors dépêchez-vous. Dès qu'il est là, je vous rends votre médecin. Encore un petit instant, Pasque. Je ne peux plus attendre. Attendez, regardez ça. Ce que tous les Arcaniens redoutaient est arrivé. Le terrible fléau que nous avions cru à tout jamais banni de nos gènes est revenu, hélas. Pasque est de nouveau un assassin. Locke et Kevac sont morts. Ils ont été tués par Pasque dans un acte de violence engendré par la maladie dont il est atteint et qui fera d'autres victimes. Les Arcaniens ont décidé que moi, Lyra, devrait désormais diriger. Pasque a été déchu de ses privilèges. J'ai pris le pouvoir en son nom et ai ordonné la préparation d'une chambre de stase. Elle fut exécutée rapidement. Pasque y fut placé dans les heures qui suivirent. Je voulais qu'il y soit maintenu, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen de le guérir de cette affreuse maladie. Hélas, nous sûmes très vite que toute la lignée des Arcaniens mâles était atteinte de cette folie meurtrière. Je me rendis compte alors que je n'avais d'autre alternative que de placer aux côtés de son malheureux père mon fils adoré, Trek. Je prie afin qu'un jour il soit capable de comprendre et de me pardonner le geste que j'ai été contrainte de poser. Laissez-moi voir, Etrek. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Absolument rien. Il nous a donné son sang. Quoi? Vous lui avez pris du sang? Il nous l'a donné lui-même, Pasque. Il était libre de le faire ou non. Nous venons d'en avoir la confirmation, docteur. Ce virus peut très bien être anéanti. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec Etrek? Il ne peut pas remplacer le sang qu'il a perdu par celui qu'on lui injecte. Ça suffit. Si vous retenez l'aigle encore quelques secondes, je n'hésiterai pas à tuer le docteur Russell. Bon, très bien. Je vous rends le contrôle immédiatement. Contrôle de commande en service. J'ai perdu Etrek. Je n'ai rien à faire ici maintenant. Je n'attends plus rien. Vous pouvez aller les rejoindre. La mort d'Etrek est inutile. On peut le sauver avec une transfusion de mon sang. Vous lui donneriez mon virus? Non, parce que nous pouvons d'abord vous injecter un sérum pour vous débarrasser de votre virus. Ensuite, nous ferons une transfusion à Etrek. Vous êtes le seul qui puissiez le sauver. Je ne sauve pas les vies, je les prends. Je regrette. Même celle de votre fils? Même celle de mes fils. Non, vous n'avez pas pu tirer sur Etrek tout à l'heure, alors sauvez-le. Je dois tuer. Je veux, je peux tuer.
On arrivera à guérir cette maladie, je vous assure. Je suis sûre que c'est parce que votre peuple et vous avez accepté cette situation depuis des générations. Vous avez peur, avouez-le. Il est trop tard. Non, si vous donnez votre sang tout de suite, il n'est pas trop tard. Je vous dis qu'il est trop tard. Il ne peut pas être sauvé. Allez le rejoindre, je vous emmène. Très bien. Je ne vous retiens pas, allez-vous-en. Votre fils est en train de vivre ses dernières heures. Attendez-moi, docteur. Oui. Le vaisseau des Arcania s'est posé. Parfait. Amenez-les tout de suite ici. C'est merveilleux, ça a marché. On a détruit le virus. Et il a l'air de supporter ça très bien. Le cœur, ça va. La pression sanguine aussi. Vite, branchez le stimulateur cardiaque. Oh. Vous perdez votre temps. Le cœur ne peut plus répondre. Il est épuisé. Je le sens. Taisez-vous, vous vous fatiguez. Et mon fils, est-ce qu'il est sauvé? Nous avons détruit le virus. C'est de nouveau la vraie Arcanon qui est là, la planète de la paix. Enfin. J'en suis heureux. Basque. 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 Non, ne me laisse pas. Tu peux t'en aller tout seul. Tu peux retourner sur Arcanon. Maintenant. Comment retourner? Ils sont venus pour nous ramener tous les deux. Mais ils ne s'envoleront qu'avec toi, seul. Toi qui es enfin guéri de cette affreuse maladie que je t'avais donnée. C'est bien. Lyra. Ah. Basque. Lyra est morte. Elle nous a quittés il y a une centaine d'années. Je m'appelle Morna. Mais je suis de la lignée de Lyra. Paix à toi, Morna. Qui est de la lignée de Lyra. Je confie à ta grande sagesse. Ce garçon qui est mon fils et celui de Lyra, et qui a pour nom Etrek, emmène-le avec toi. Tu sais bien que je ne le peux pas. Les hommes atteints de cette maladie n'ont aucune place chez les Arcaniens. Il est immunisé contre le virus, vous n'avez rien à craindre. Nous avons découvert un sérum et nous lui avons fait une transfusion du sang de son père. Bien sûr. Nous connaissons ce procédé sur Arcanon. Pourquoi n'avez-vous pas soigné Basque alors? Qu'est-ce qui vous retenait? Nous ne savions pas comment l'utiliser, puisque aucun Arcanien n'a jamais pu faire don d'un peu de son sang sans mourir. Toi, Etrek, tu savais cela? Le dernier privilège de celui qui est atteint de ce virus, c'est de se tuer soi-même. Basque. Suis-moi, Etrek. Je t'emmène sur notre planète. Tiens, mon copain. Emporte donc chez toi, là-bas. N'oublie pas, deux yeux, deux mains, hein? Merci, Alan.
Mais... Oh, prends-le, quoi. C'est jamais qu'un vieux ballon de football. Et puis, on est des copains, non? Au revoir. Football? Oh, c'était un vieux symbole sur Terre, ça voulait dire. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je peux rester avec Pasque un instant? Ah oui. Je suis heureuse que tu sois de retour, tu sais. Et moi, je suis heureux d'être venu. Évidemment, je n'ai pas pu être d'un très grand secours avec cette pluie de météorites. Alan regrette que je n'ai pas rencontré les Trek. Il t'aurait plu. Tu aurais aussi aimé Pasque dans d'autres... Enfin, dans d'autres circonstances. Elena. Tu ne dois pas te reprocher ce qui est arrivé. Pasque a donné son sang et il est mort. Mais tu es médecin, Elena. Tu as fait tout ce qu'un médecin aurait pu faire. Parce que savait ce qui devait arriver si on lui prenait du sang. Toi, tu ne le savais pas. Oh, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû m'en douter. Je peux te dire que l'ignorance n'est pas un moyen de défense très satisfaisant. Tu as sauvé le petit. Oui. C'est une chose pour laquelle on peut me devoir de la reconnaissance. C'est déjà ça. C'est la seule chose pour laquelle on te doit de la reconnaissance, dis-tu ?